des sentences, c'est assez, assez rare qu'une malade fasse 60 ans. Et Blatchier étant quand même une malade très, très réputée, une malade noble, comme on peut appeler, elle ne pouvait être faite qu'à la gynécologie noble. Oui, moi, je ne peux être que satisfait de la démarche qui est initiée par deux amis proches, hein, vieux amis de la malade, enfin, vieux parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là, ils ne sont pas encore tout à fait vieux, mais enfin, ils sont là. Et puis après, bon, ils ont dit, bon, on aimerait faire quelque chose comme ça. Quoi. Je ne pouvais qu'être satisfait et abonder dans ce sens. D'autant plus que bon, il m'a dit, ben, on aimerait faire une cuvée du Mas Virgile, parce que bon, ben, les frères Barry ils connaissaient tout ça, ça s'est passé bien. Et puis après, Thierry quand même est devenu un cavalier émérite, hein, et il galope sur le courgeot à Bride-Abattu. Voilà, donc il y a un tas de. C'est une relation d'amis. Et puis après, bon, pour nous, c'est pas les 100 ans, c'est les 5 fois 20 ans seulement. Barré, sont des gens de qualité, ça, du savoir-faire, et je pense que le produit qu'ils mettront dans la cuvée du centenaire sera un produit de qualité. Il ne peut pas être autrement pour être malade. Ah ben oui, je le souhaite. Après bon, les taureaux c'est encore autre chose. Vous ne l'avez pas encore goûté? Comment? Vous ne l'avez pas encore goûté? Si, je l'ai goûté. Ah, dimanche, on l'a goûté dimanche. Alors? On l'a goûté dimanche. Vous êtes satisfait? Au début, il nous a un peu surpris. Ah. Parce qu'il n'était pas. Il est rouge, il faut toujours. Ouais, oui, il faut toujours les éventer, un peu leur donner un petit peu. Et on n'avait même pas fini. Et puis après le lundi, on a fini. Ma femme a dit tiens, tu vois, regarde, il est encore meilleur qu'il y a. Voilà. Donc, satisfait de la prestation des viticulteurs de Virgile.